quand on est en course avec ma femme, Bernadette, les enfants, puis même les personnes, remarquent plus l'handicap de ma femme que le mien. Il faut garder le moral, quoi. Là, et il se trouvait tout au fond, le chariot pour enfants. Dans les rayons des grandes surfaces, comme souvent au quotidien, trop de choses sont inaccessibles. Oui, c'est en haut, tu peux venir me l'attraper. Vous voulez m'attraper du rouge à plis, je sais pas où il est. Et c'est pour cheveux normaux, hein. C'est cheveux normaux. Oui, c'est ça. Merci. Ben, donnez-moi deux boîtes comme ça, je vous gênerai pas. Bernadette Voutier, mariée, deux enfants, 1m19, vit depuis 54 ans dans un monde de géants. Bonjour. C'est prêt. Son handicap n'est pas héréditaire. Après un accouchement risqué pour les femmes de petite taille, ouais. Bernadette a vu ses deux fils grandir normalement. Il va falloir que tu te dépêches parce que, dis donc, il est 7h05. Quoi? T'as la gym ce matin en rentrant? Ouais. Je ne m'imaginais pas à cette époque-là que j'aurais deux beaux enfants. Alors nous avons eu Jean-Marie en janvier 73, c'est-à-dire qu'il a 23 ans. Maintenant c'est un grand gaillard qui mesure 1m80, il est convoyeur de fond. Et Pierre-André maintenant va avoir 14 ans. Il est en bonne voie puisque à l'heure actuelle il mesure environ 1m65. Voilà, je m'arrange toujours pour avoir plusieurs petits tabourets pour pas avoir à courir après. Oh là, ça, cette photo, c'est une photo qui a été prise pour mes 25 ans, c'est-à-dire à l'époque de la Sainte-Catherine. Bernadette et Aimé sont mariés depuis plus de 20 ans. Cette photo, c'est un petit peu une histoire et un symbole parce que j'ai voulu fêter Sainte-Catherine, étant donné que comme j'étais petite, je ne m'imaginais pas qu'un jour je me marierais. Alors ce qui est amusant, c'est qu'avec ma copine Michèle, qui est du même âge que moi, on a fêté Sainte-Catherine ensemble et moi je lui disais que je me marierais jamais et elle était censée se marier et c'est elle qui ne s'est pas mariée, c'est moi qui me suis mariée. C'est pas une raison parce que je suis un peu plus petite que les autres qu'il faut que je reste sur la touche. C'est un monde de géants pour moi. J'ai parfois l'impression de vivre dans un monde à ma démesure parce que, les choses sont placées trop haut. Quand j'ai une boîte aux lettres à ma portée et qu'il me manque rien et que j'ai pas mon tabouret sous la main, alors là, ça me fait râler. Ah oui, c'est pas vrai.